Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va parler de bloqueurs de publicité. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de bloqueurs de publicité alors que je suis le premier à vous mettre un gros bandeau anti-adblock sur le site web? C'est parce que je suis anti-adblock et non pas anti-bloqueur de publicité. Dans le monde des bloqueurs de publicité, comme je vous l'explique dans l'article juste ici, il y a trois types de personnes. Il y a les premiers, qui sont très rares, mais c'est les gens merveilleux, qui ont un bloqueur de publicité, mais qui comprennent que si les sites web existent, c'est tout simplement parce qu'il y a de la publicité qui permet au site web de se payer, de payer les serveurs, de payer l'hébergement, de payer la bande passante, de payer éventuellement les employés et les personnes qui travaillent dessus. Ces personnes-là sont très rares et sont à chérir. Je sais qu'il y en a parmi les lecteurs de Locan.fr. Je vous dis merci d'être des gens consciencieux qui répandent la bonne parole autour de vous. Ensuite, il y a les personnes qui ont un bloqueur de publicité parce qu'on leur a dit qu'il en fallait, hein, tout simplement. Ça, c'est pas tant les personnes que je déteste le plus, c'est plus le comportement que je déteste. Quand vous installez quelque chose, quand on vous fait installer quelque chose sur un ordinateur, renseignez-vous toujours sur le pourquoi du comment. Si on vous dit « Ah ben c'est ce meuble qu'il vous faut dans votre maison », vous allez vous renseigner d'abord, vous allez faire en fonction de vos goûts, de votre décoration, etc. Un ordinateur, c'est pareil, un téléphone, c'est pareil. Si on vous dit « Il faut cette application », essayez de savoir pourquoi. Toujours pourquoi, est-ce que ça convient bien à ce que vous allez faire, et si vous l'installez, comment est-ce que vous la configurez? Il ne suffit pas d'installer bêtement un truc. Et c'est le petit problème. Et la troisième catégorie de personnes, c'est ceux pour qui tout est dû. C'est-à-dire qu'ils vont sur Internet et Internet leur appartient. On n'a pas le droit de leur dire que mettre un bloqueur de publicité c'est mal, qu'ils comprennent absolument pas que les sites web ont besoin de publicité pour vivre. Tout devrait être gratuit, les stylets devraient être inclus avec l'iPad Pro, parce que pourquoi payer 100€ en plus alors qu'on achète déjà un truc 1000€? Parce que ça les vaut. Pourquoi tout devrait être gratuit tout le temps? Netflix c'est bien, mais c'est quand même trop cher, 9€ par mois pour avoir un catalogue illimité de films, ça serait mieux que tout soit gratuit, donc je vais continuer à télécharger, etc. Ces gens-là sont des cons, et je vous propose de ne plus en parler. C'était une parenthèse, si vous êtes dans cette catégorie-là, vous pouvez aller vous faire voir. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de uBlock et pas de AdBlock. AdBlock, c'est la référence dans les bloqueurs de publicité, et je conçois totalement qu'on ait un bloqueur de publicité. Je suis le premier à en utiliser un, et je vous parle réellement en connaissance de cause. Sauf que je suis des deux côtés de l'équation, la personne qui propose du contenu et qui sait que la publicité, ou du moins qu'il faut une source de revenus pour son site web, et je suis aussi de l'autre côté, la personne qui va consulter des sites web et que ça exècre de voir qu'il y a sur certains sites web plus de publicité que de contenu, notamment en version mobile. Donc, j'ai fait le choix sur Locan.fr de ne pas mettre de publicité. Les revenus de Locan.fr, c'est soit les dons, soit quand vous allez faire vos courses dans la liste d'envie, dans ma liste d'envie Amazon. C'est essentiellement les achats Amazon, c'est-à-dire que quand vous achetez un truc sur Amazon, si vous pouvez passer avant par Locan.fr/Amazon, qui vous redirige sur Amazon avec mon lien traqué, etc., je vous dis un grand merci parce que je perçois une petite commission sur votre achat sans que ça change quoi que ce soit pour vous. C'est juste qu'Amazon me reverse une petite part. C'est ça qui fait vivre Locan.fr. Et tous les mois, en plus, il y a le podcast XXL qui se finance tout seul. Du coup, je vous parle de uBlock et pas d'AdBlock. Pourquoi? Parce que AdBlock, c'est tout simplement le gros bloqueur de publicité qui reçoit des chèques d'à peu près tout le monde, et essentiellement de la part de Google, qui est la plus grosse régie publicitaire du monde, pour dire « Eh, t'es mignon, mais nos publicités, t'en laisses passer quelques-unes quand même ». C'est pour ça que sur AdBlock, on a vu apparaître une option qui était la Easy List, tout simplement le laisser passer les publicités non intrusives. Vous ne savez pas comment ils déterminent les publicités non intrusives, c'est eux qui le décident de manière totalement obscure, et généralement ça se définit au montant du chiffre qu'il y a sur le chèque fourni par la société. Donc, AdBlock, uBlock, pourquoi? uBlock est open source, c'est-à-dire que c'est la communauté qui fait vivre uBlock qui va modifier le code. Vous, moi, tout le monde peut aller voir le code source de uBlock et dire « Ah ben ouais, mais ça c'est bien, etc. » Ça garantit un logiciel qui va réellement bien bloquer les publicités, qui va être efficace, qui va ne pas se soucier de votre vie privée, puisque tout le monde sait le truc du moment important, mais c'est très important d'en parler. C'est, à la différence d'AdBlock, qui a fait pression sur tous les développeurs d'applications iOS au moment où on a pu sortir des bloqueurs de publicité, uBlock, eux, ils s'en foutent en fait. Ils font juste un système qui permet de traquer les publicités, etc. Et c'est open source, et tout le monde peut vérifier. Là où AdBlock laisse passer des trucs en fonction de chèque qu'on a, que les grands organismes ont donné. Et ça pue. Alors, comme je vous disais précédemment, utiliser un bloqueur de publicité, que ce soit uBlock ou AdBlock,
pourquoi pas. Moi, j'en utilise un, je le conseille quand même à tout le monde, parce que quand vous allez sur des pages Google, désolé d'avoir tapé dans le trépied, quand vous allez sur des pages Google, rien que les pages de résultats Google, c'est chiant de voir des pubs, je veux juste des résultats, pas des publicités. Quand vous allez sur un site web, que ce soit en desktop ou sur votre téléphone, c'est chiant d'avoir plus de publicité que de contenu, encore plus sur le téléphone, parce que ben, il faut charger la publicité pour accéder au site web, et ça demande de la bande passante et ça coûte cher et ça prend du temps, et quand on est mobile on n'a pas nécessairement le temps. Donc je conseille à tout le monde d'utiliser un bloqueur de publicité, mais je vous conseille d'utiliser un bloqueur de publicité à la condition sine qua non que vous sachiez comment ça marche. C'est le plus important. N'installez pas des logiciels si vous ne savez pas les faire fonctionner. S'il vous plaît, arrêtez. Lisez les messages d'erreur, lisez les messages qui s'affichent quand votre ordinateur vous met un message, cliquez pas de suite sur OK, lisez ce qu'il a voulu vous dire. Je reçois des tas de mails de gens qui disent « Ouais, mais écoute, pourquoi je suis abonné à tes notifications? Je reçois une notification à chaque fois que tu envoies un nouvel article. » Ben ouais, connard, parce que quand tu as cliqué sur « OK, accepter les notifications », avant, il y avait un panneau qui t'expliquait ce qu'était une notification. Tant pis pour toi. Donc, une fois que vous avez installé uBlock, vous désinstallez AdBlock, vous pouvez au moins le désactiver au début, et ensuite, vous voyez si uBlock vous va, et vous désactiverez dans tous les cas AdBlock, puisque uBlock est meilleur en tout point qu'AdBlock, plus léger, plus rapide, plus efficace, plus sécurisé, etc. uBlock est open source, vous allez sur le site officiel, c'est écrit, je ne sais pas si le cadrage va jusqu'à mon doigt, mais vous allez sur uBlock.org, j'insiste, le site officiel, vous cliquez sur le bouton Download, vous choisissez votre navigateur, Chrome, Safari ou Firefox, ça télécharge une extension, vous installez l'extension, et ensuite, ça s'affichera en haut à droite de votre navigateur, et vous venez sur locan.fr, faire un petit clic, et désactiver avec le bouton On-Off, qui vous permet de dégager, de mettre locan.fr en liste blanche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de publicité sur locan.fr. Si vous êtes un vrai con, vous pouvez bloquer locan.fr. D'ailleurs, j'avais dit j'avais une petite phrase, voilà. Quand vous pouvez, avec uBlock, que vous pouvez faire plus difficilement avec AdBlock, dire « je veux supprimer les bandeaux anti-AdBlock », c'est ce que j'utilise moi. Mais là, c'est juste une case à cocher, ça se fait tout seul pour tous les autres sites. Cette case à cocher se résume pour moi à être à cocher « je sais que je suis un vrai con et je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle sur chaque site ». Voilà, donc si vous cochez cette case-là, grosso merdo, ça se résume à dire « je suis un vrai enculé qui n'en a rien à foutre des autres et donc j'ai pas besoin qu'on me le rappelle à chaque fois que je vais sur un site web qui me rappelle, lui, qu'il a besoin de publicité pour vivre. Tout devrait être gratuit pour moi, je suis un enculé !» uBlock fait également une application iOS qui s'appelle Purify. Alors j'ai pas bien vu la limite entre les deux, si c'était les algos de uBlock qui permettaient de faire Purify, si c'était un développeur indépendant qui s'appuyait sur uBlock pour faire Purify, si c'était juste un système de soutien parce que uBlock trouve que Purify est cool et ils le mettent en avant sur leur site. Dans tous les cas, c'est une appli que j'ai installée qui me comble parfaitement sur la version mobile, sur iPhone et sur iPad, pour bloquer les publicités sur certains sites, pas sur tous. Mais en mobile, j'aurais plus tendance à dire de les dégager à peu près partout, parce que on gagne un temps de chargement de malade, quoi. Je charge les pages entre 2, 3, peut-être 4 fois plus vite, j'en sais rien, mais ça a juste totalement changé ma navigation sur Internet. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et puis, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur uBlock. Désinstaller AdBlock, AdBlock, c'est le mal. AdBlock, c'est le mal. Les bloqueurs de publicité, ce n'est pas le mal, mais AdBlock a un comportement exécrable vis-à-vis de tous les autres petits qui ont voulu se lancer quand ils ont fait iOS. Rien que pour ça, vous méritez de les dégager. Rien que pour le fait que les publicités non intrusives, en réalité, ils vous mentent et ils laissent passer des publicités de ceux qui filent les plus gros chèques. Rien que pour ça, vous devez les désinstaller. Mettez uBlock, c'est open source, c'est gratuit, c'est financé par la communauté. Ça vous empêche pas de faire un petit don, 1€, 10€, 20€, mais vu comment vous avez été généreux sur Movember, je parle même pas de donner un don pour un bloqueur de publicité. Et c'est tout. C'était Locan pour Locan.fr, je vous fais des gros bisous. Je compte sur vous pour mettre Locan.fr en liste blanche, évidemment. Et pour répandre la bonne parole au sujet de lisez ce que vous installez, n'installez que si vous avez besoin, etc. Et installez uBlock à la place d'AdBlock. Des bisous, ciao ciao.